Drag Paris, c'est un peu la référence en fait du style parisien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle Vogue Paris, Vogue Paris, alors que les autres Vogue, on appelle par exemple le Vogue américain ou le Vogue italien ou le Vogue japonais. Et en France, on appelle ça le Vogue Paris. Donc c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc ça doit bien être le fer de lance de la mode parisienne qui découle ensuite sur le reste de la France. Le meilleur moment en vrai, c'est quand on a shooté avec Mario Sorrenti sur le toit du Grand Palais. Du Grand Palais avec une robe McQueen suspendue en l'air avec toute derrière la vue de Paris. Et c'était vraiment hallucinant. Moi. Non, on va être honnête, deux secondes. Ça me ferait bien plaisir. D'avoir l'opportunité de faire des crossovers plus souvent avec des artistes, avec des réalisateurs, avec des écrivains. Tiens, pourquoi pas une fois de temps en temps prêter la main à un écrivain pour un édito. Et voilà.